J'enregistre actuellement trois nouvelles chansons, La Reine des Songes, Si tu veux et L'Homme à deux faces. Si tu veux, je peux te donner des choses qu'un autre ne saurait mieux que moi. Si tu veux, je peux te confier. Il y aura des cuivres, du piano, de la batterie, de la contrebasse, de la basse, des guitares. Pour cela, j'ai fait appel à deux musiciens talentueux, également guitaristes, Clément Garcin et Adrien Rémy. Ces trois morceaux qu'on enregistre à cette séance aujourd'hui et demain, ça va être un... Ils vont nous permettre de regarder, d'avoir un regard sur notre travail, sur le travail qu'on a déjà fait, qui est un truc pour nous, déjà d'avoir une base qui va nous permettre d'avancer sur les nouveaux morceaux, les nouveaux arrangements, d'arrêter un peu certaines idées. Et ça permettra également aux personnes qui peuvent être intéressées par la venue de ce nouvel album d'avoir déjà une prévisualisation. Quand on se regarde dans la glace, on finit par trouver l'homme à deux faces. On a essayé de mélanger vraiment les deux univers. Joshua, c'est un pianiste à influence classique et chanteur de chansons romantiques. Adrien et moi sommes plutôt des musiciens de jazz, voire complètement. On vient plutôt des musiques improvisées, vivantes. Donc on a rajouté vraiment notre touche personnelle qui vient en pratique par les cuivres. Déjà une section cuivre, ce qui n'était pas présent sur le premier album. Des notes vraiment jazzy, funk. Et même dans les ballades romantiques, on a essayé de ne pas garder le même esprit qu'il y avait sur le premier album, donc pas qu'il soit mauvais, mais qui nous ressemble beaucoup plus. Donc c'est très personnel pour Joshua au niveau des compositions et très personnel pour Adrien et moi au niveau des arrangements. Les gens décrochent, il y a toujours une lumière pour toi. Et si le temps s'effiloche et que plus rien n'accroche, il y a toujours une lumière pour toi.